C'est parti. Voilà, bonjour à tous. Nous sommes le comité Internet et nous nous adressons à vous pour vous offrir nos services de communication. Ça part mal. Non, on commence. On recommence. Bon, ben, tu recommences, je suis prêt. Voilà, bonjour à tous. Comme vous le constatez, nous sommes le comité Internet et nous nous adressons à vous pour vous proposer un projet commun. Vous êtes les responsables des différents services de la paroisse et vous êtes nombreux. Souvent, vous voudriez publier des textes, des photos, des vidéos sur Internet, mais vous êtes déjà très occupés et vous êtes un peu impressionné par cette nouvelle technique. Donc nous vous proposons nos services pour réaliser tout cela. Chacun dans le comité va se présenter pour vous dire de quelle manière il peut vous servir. Marie-Claude. Oui, bonjour, je suis Marie-Claude Duhamel. Je fais partie du comité Internet et je suis responsable de la rédaction. Si vous avez des articles ou des événements que vous voulez publier sur le site, vous pouvez nous les adresser. Alors pour ma part, je suis responsable de tous les événements du groupement Miribel et de tout le groupement. Et vous verrez sur la petite vidéo, on défile une adresse à laquelle vous pourrez nous envoyer toutes ces infos et je vous les publierai sans aucun problème. Merci. Olivier. Bonjour, moi je suis Olivier Perrieux, donc je suis de Saint-Maurice-de-Bénaud. Et donc mon rôle, c'est plutôt d'apporter la partie technique, de pouvoir voir ce qui est possible de faire pour que le site soit le plus agréable possible et surtout qu'on améliore la communication au sein du groupement. Voilà. Donc moi, c'est Henri Gendrin. Et je suis domicilié à Bénaud et je fais partie du comité Internet très récemment, il y a à peine une semaine. Et je suis très branché technique, micro, Internet et récemment vidéo. Et Père Patrice m'a parlé entre autres d'enrichir le site et de proposer aux différentes équipes de faire des petites vidéos comme la vidéo que nous faisons actuellement. Petite vidéo pour présenter le travail que vous faites dans votre équipe. Par exemple, l'équipe KT pourrait faire l'objet d'une petite vidéo de 5-6 minutes qui serait mise sur le blog des 7 clochers. Vous allez dans Google, vous marquez 7 clochers et vous tombez pratiquement directement sur le blog des 7 clochers. Sinon, mon rôle consiste aussi à demander aux différentes personnes de ou des paroisses leurs idées pour améliorer et surtout enrichir le blog et pour concrétiser techniquement ces idées. Ça peut être des vidéos, ça peut être des photos, ça peut être un agenda qui existe déjà et ça peut être du texte de réflexion que l'on mettrait ou que vous mettrez sur le blog et qui sera proposé par vous et qui sera inséré dans le blog. Voilà. Voilà, alors pour nous récapituler, puisque vous avez déjà prévu bon nombre de réunions cette année, vous coordonnez ces équipes, vous avez un agenda, vous pouvez prévoir une réunion ordinaire, qu'à la fin d'une réunion, pendant 10 minutes, un quart d'heure, vous fassiez une vidéo. Donc vous demandez les bons services d'Henri, vous lui écrivez à l'adresse que nous vous communiquerons à la conclusion de cette vidéo, vous lui proposez ses dates, vous vous mettez d'accord sur une petite trame, et voilà, la vidéo est déjà réalisée. C'est important parce que, d'une part, vous allez vous présenter au groupement, vous allez pouvoir communiquer ce qui vous tient à cœur,
Vous allez pouvoir aussi appeler d'autres personnes à rejoindre votre équipe. Vous pourrez aussi, de cette manière, être mieux connu par les autres équipes du groupement, par tout le groupement, et puis aussi, puisque c'est un continent à évangéliser, ce septième continent, simplement être présent là où les temps l'exigent aujourd'hui. Merci à vous et n'hésitez pas à nous interpeller. Voilà, Marie-Claude, un petit mot pour terminer, ou Olivier ? Voilà, je voulais juste vous dire que quand le blog a commencé, nous étions à quelques visites par jour, et qu'à l'heure actuelle, la moyenne est de 100 visites par jour. Alors n'hésitez pas, le blog est là pour vous. Et Olivier, un petit mot ? Moi, je voulais juste dire que donc, pour l'instant, on était 4, donc je pense que j'espère qu'on sera encore plus nombreux, pour qu'on puisse faire encore plus de choses, et donc que l'on puisse se développer. Voilà. Voilà, merci Olivier, parce que chaque fois que le groupe a une idée nouvelle, a besoin d'une nouvelle application, une nouvelle fonction, tu es là pour trouver les moyens techniques de la développer et de la déployer. C'est vraiment précieux. Donc ces idées-là aussi, si vous en avez, de rendre le site encore plus utile, plus fonctionnel, vous nous les adressez désormais. C'est possible grâce à des personnes très compétentes. Pour Olivier, bravo! Et pour nous tous aussi. Et pour Henri, merci. Voilà.